Salut à tous amis gamers, amis gamers, c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo donc de Resident Evil 7 en VR. Alors par rapport à la vidéo que je vous avais publiée hier, donc j'ai avancé vraiment un tout petit peu, j'ai avancé quoi, une dizaine de minutes. Donc afin d'éviter bon un léger petit spoil, même si à travers la seconde vidéo vous allez voir qu'il s'est passé quelques petits trucs. Donc voilà, on est plus ou moins à 10 minutes près au même endroit sur lequel on s'est quitté quoi. Donc c'est parti, nous allons continuer. Donc charger les dernières données sauvegardées. Oui, c'est parti. Donc à savoir que la première vidéo, c'était plus ou moins le passage de la démo. Donc j'ai pas eu trop de surprises. Là, je m'attends à flipper un peu plus quand même, quoi. On va voir ce que ça va donner, mais je sens que je vais stresser. Je sens que je vais stresser dans cette vidéo. Donc voilà, si vous lisez le petit passage, vous avez pu comprendre donc que Mia m'a attaqué. Hein. Donc en fait, voilà, c'est ce que vous avez manqué, c'est le passage où elle m'a attaqué. Ensuite, le téléphone a sonné. On m'a donné des indications pour me sauver. Donc voilà, j'en sais pas plus. Donc j'ai trouvé le fusible, par contre, et c'est la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller activer le fusible. Donc là, je suis où? Je ne sais plus. Ah oui, je suis à l'étage, je crois. Voilà. Voilà. Par contre, j'ai contour en rouge. Je pense que je saigne. Alors, comment on fait déjà pour... non, c'est pas là. Je ne sais plus comment on fait pour... Allez, ah voilà, l'inventaire. Je pense que je vais l'utiliser. Voilà. Je ne suis plus blessé. Alors, c'est bien fait. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran. Mais avec la VR, quand je suis blessé, je vois un peu du sang quoi, au niveau de mes yeux. C'est plutôt pas mal fait. La sensation est plutôt correcte. Donc c'est parti. Si je me trompe pas, voilà, c'est ici qu'il fallait activer le fusible. Oh, il y a des choses qui ont changé ici. Ouais. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses, mais je sais pas. Non, tout ça j'avais vu, hein. Oui, non, bon bah. Allez. On va activer le fusible. C'est parti. Hop. Le voilà. Le fusible est activé, je pense qu'il faut retourner à l'étage. Alors contrairement à hier, par contre, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, le déplacement est un peu plus lent. Je vous avais dit que je n'étais pas du tout sensible. Oh putain, m'a fait stresser la conne. Oh, j'ai stressé ma race. Oh là là. Pouh, ça commence bien. Qu'est-ce qu'elle fait elle avec sa tronçonneuse? Casse-toi. Ah, elle m'a arraché le bras, quoi! Salope! Ah, super! Donc, je disais que j'étais pas sensible! Aux sensations du PlayStation VR. Bah, ce jeu me donne un petit peu la nausée.
au bout d'une longue session, au bout d'une heure, 1 heure et demie, donc ça me permet quand même de faire des sessions correctes. Mais bon, j'ai ralenti un petit peu la vitesse de déplacement. Bon, je suis en train de stresser, alors franchement, désolé, j'ai du mal à vous dire réellement ce que je ressens. Enfin, j'ai du mal à vous dire ce que j'ai envie de vous dire parce que je stresse. Putain, elle m'a coupé le bras, quoi. J'y crois pas. Et pourquoi les portes, elles se ferment toutes seules dans ce jeu, sérieux? N'importe quoi. Oh, des munitions. Un remède, ouais, bah c'est pas un remède qui va me faire repousser mon bras, mais bon. Bon, d'accord. D'accord, on vise avec... ok. C'est pas mal, j'aime bien. Enfin, c'est dommage qu'ils sortent... Pourquoi ils sortent pas les manettes comme le HTC Vive, là? Parce que le PS Move c'est cool, mais on n'a pas de joystick pour se déplacer avec le PS Move. Ça aurait été sympa là, avec un petit combo, une manette dans chaque main. Ça aurait été un peu plus immersif. Même si ça l'est déjà énormément. Hein. On va pas se cacher. Jouer à Resident Evil 7 avec le PSVR sous les yeux, faut vraiment être cinglé. Je pense que je vais faire une attaque avant de terminer le jeu. Bah, la porte se ferme toute seule. Hein. A priori, c'est normal dans cette maison. Des munitions. Bonjour madame. C'est nerveux. Il me donne un peu trop de munitions, je trouve. En général, c'est mauvais signe. Y'a personne? Non, y'a personne. Oh, dégage, sérieux! Salope. Bah ouais. Ah c'est chaud. Tiens, crève. Dégage, sérieux. T'es vraiment une connasse, hein. T'es contente? Oh bah, je crois que je suis mort. Elle m'a tué. Bon. Vous êtes mort. Merci. Recommencez, hein. Bon. J'espère qu'ils vont pas nous faire recommencer dès le début. Non, ça va. Bon. Bon, ils nous font reprendre quand même. Allez, hop, on va un peu rusher ça. Le flingue, voilà.
C'est pas vraiment, c'est pas très évident, je trouve, ce système de visée. Ça manque un petit peu de sensation. Mais bon, c'est un peu dommage. Après, je pense qu'il faut s'habituer. Donc oui, voilà, il y avait des munitions là. Je le savais de toute façon que s'il nous donnait autant de munitions, c'est que ça puait dans un sens. Hop, voilà. Bon, ça va, ils nous font pas recommencer très loin. Allez, c'est reparti. Notre andouille. Allez, barre-toi, je vais descendre direct. Mais putain, on peut pas l'esquiver cette... ce coup de... Barre-toi! Sincèrement, dès que je l'ai sauvée, moi, au début, sur la première vidéo, bon, elle était normale, j'ai cru qu'on allait pouvoir faire un petit peu de sexualité, mais... elle a pas l'air d'avoir envie, hein. Bon, t'es morte, là? On dirait. Sa tronçonnette, là, je veux bien. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, connard. C'est pas possible, ce jeu. Haha. Bon. Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Oh, ils m'ont recollé mon bras. Debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Où est Mia? Mange, c'est bon. C'est toi qui lui regarde, hein? Vous attachez les paresseuses. Ça devient lourd, vieux. Pousse-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Hein? Allez, on va. Oui, j'allais. Grand-mère, il pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était cet enfoiré. Il mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Allez, fiston. C'est flippant, sérieux. Oh. Allez, vas-y. Oh, merde. Je parie que c'est encore sa flic. Maudit poulet. Bouge pas, je reviens. Hey, ta grand-mère, elle a la grippe, hein, encore où? Dame? Je savais qu'elle allait se réveiller.
de sortir d'ici. Ah d'accord, je peux me barrer. Je suis vraiment con, moi, d'aller au même endroit qu'eux. Je sais pas vraiment où aller, en fait, pour être honnête. Oh, c'est dégueulasse. Bon. Ouais, si ça a l'air d'être un bel échappatoire, mais j'ai pas tout visité. Quelque chose me pousse à aller visiter. Il y a peut-être moyen de trouver des trucs intéressants. Ou pas. Putain, mais c'est franchement la... Mais pardon, puis tout à l'heure je dis énormément de gros mots, en fait je m'en rends compte. Je disais la maison, elle a l'air... relativement grande, garage. Avec quelque chose. Bah ouais, mais avec quoi? Bon, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, je vais me barrer en fait. J'ai pas envie d'aller visiter. Allez. Moi je pense que par là. Ah non, c'est fermé. Ah bah j'ai cru. Je suis clairement pas rassuré là. Mamie, elle bouge pas là dans son fauteuil, elle est bien. J'ai ouvert là-bas, j'étais vérifié. Non, ça s'ouvre pas. Bon bah on va descendre au garage, hein. Je pense qu'on n'a pas forcément le choix. Par là il me semble pas avoir fait un tour. J'ai peut-être zappé quelque chose. Non. Ah, c'est l'article qui parle des trois personnes qu'on a pu voir lors de la vidéo que l'on a insérée sur la télé lors de la première vidéo que je vous ai faite. Des munitions de pistolet, ah ça se prend, même si je n'ai plus d'armes à l'heure actuelle. Bon allez, c'est parti. Bah non, en ralentissant un petit peu la vitesse de déplacement, j'ai l'impression d'avoir un peu moins de nausées par contre. Un ruban adhésif trop résistant pour être enlevé à la main. Bon bah j'ai vraiment zappé quelque chose. Il y a vraiment un endroit... Ah bah ça doit être par là. On est quand même bien loin des Resident Evil qui sont sortis jusqu'à présent quoi. C'est vraiment le retour de l'angoisse. C'est stressant à souhait, alors je sais pas si sans le VR, c'est aussi prenant, je pense quand même malgré tout, mais avec le VR en tout cas, waouh. Oh non, pas toi. Tu m'as pas vu? Non, tu m'as pas vu.
Mais je vais faire quoi, moi? Tu pensais nous quitter avant la fin du repas? Casse-toi! Où est-ce qu'il est? Coucou! Je t'ai trouvé! Ah, ma bite! Oh non, non, c'est pas possible! Il est sérieux, le gars? Bah. Tu n'es rien, gamin. Juste un... Bah, c'est pas possible, je suis mort. D'accord, se cacher dans l'ombre et rester silencieux est un bon moyen de semer Jack. Bon. Alors, je précise encore que cette vidéo est un let's play. Je découvre le jeu en même temps que vous. Donc, désolé si je meurs régulièrement, pardon. Oui, mis à part des munitions, je vais aller récupérer les munitions qui se trouvaient là-bas, je crois. Ouais, voilà, on va juste récupérer les munitions, on va aller directement au passage. Donc oui, désolé si je meurs régulièrement, je découvre le jeu en même temps que vous. Je sais pas trop ce que je dois faire. Alors, se cacher dans des coins d'ombre, moi je veux bien, mais... Pas l'air d'en avoir des masses non plus. D'accord, au pire je me barrerai là. Je pense avoir localisé l'endroit. Les portes sont ouvertes. Allez, viens m'attaquer. Si ça te fait plaisir. Tu pensais nous quitter avant la fin du repas? Et la musique elle est stressante et tout en plus. Reste où tu es. Oh merde. Oh. Comment je vais réparer ça? Je ne sais encore pas voir. Tu perds ton temps. Il est vraiment derrière moi, j'ai l'impression là, je suis pas rassuré. Acheter carotte l'ami là. Un coin d'ombre, un coin d'ombre, un coin d'ombre. Je t'attends. Là, c'est pas mal, non? On va se planquer là. Attends, je sais pas où aller en même temps. Hein. Me laisser tranquille. Bon, j'ai pas le temps de fouiller là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ça m'énerve. Ouais, non, je m'en fous. Ah, une clé. Les trappes. Bon. Il faut se sauver par la trappe. J'ai compris. Où est-ce qu'il est, cette andouille? Vite. Allez, dépêche-toi. Wow, c'est stressant. Il va pas me suivre là le bonhomme. Y'a rien à visiter, à fouiller là? Non. Ouh.
Bon, écoutez, on a l'occasion de sauvegarder. Je pense que, encore une fois, on va s'arrêter là. Je pense que cette session a été plutôt pas mal. Vous avez pu en découvrir un peu plus sur le jeu. Est-ce qu'on se retrouvera encore pour une troisième vidéo de Resident Evil 7 en VR? Bah franchement, on verra par rapport au... Enfin, s'il y a de la demande, pourquoi pas. En tout cas, sachez que c'est vraiment exceptionnel. L'ambiance est vraiment impressionnante. De toute façon, vous le voyez bien, je suis pas rassuré. C'est sur ça, en tout cas, qu'on va se laisser. Merci d'avoir encore une fois visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, me rejoindre sur Sailor Noob Gaming, donc sur Facebook. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Allez, bye, tchuss.